Bonjour, moi c'est Stéphane Konaté, je suis prof d'éducation physique déjà et international basketteur ivoirien. Konaté with the first tip. We got our first dunk, an easy basket by Stephen Konaté to the corner. Good steal from behind by Konaté. Abuya with a change of direction. Abuya to the basket and he'll. No, he won't finish. But Stephen Konaté will. And again, the Africans will try to attack this zone defense of Egypt into the high post. Great passing. Excellent passing by the Ivory Coast. Costa knocks it out of his hands. Diabate. Alley-oop! Stephen Konaté puts up the Ivory Coast by 3 points on the perimeter for Egypt. Quand on parle de sélection, on va dire quoi? En alliant Benjamin, Minimus, en senior, on va dire 205 sélections. Combien de trophées à votre actif? Collectif ou individuel? Ensemble, je ne sais pas comment je vais compter. Franchement, j'ai pas eu l'idée de compter. Mais au niveau national, avec mon club déjà, avec mes clubs à l'Africa et à l'ABC, j'ai été 15 fois champion de Côte d'Ivoire d'affilée, senior. Et j'ai eu un titre avec l'Africa. Et voilà, au niveau international, en club, j'ai été champion d'Afrique des clubs. Abidjan ici, j'ai été vice-champion d'Afrique, j'ai été médaille de bronze, j'ai été meilleur joueur plusieurs fois, j'ai été meilleur marqueur, meilleur intercepteur, j'ai fait partie des meilleurs 5 d'Afrique. Vraiment, il y a beaucoup, il y a beaucoup. En termes de, au niveau équipe nationale, senior, j'ai été vice-champion d'Afrique, j'ai participé à la Coupe du Monde. Donc j'ai participé à plusieurs Coupes d'Afrique des Nations, j'ai fait 4 demi-finales de Coupe d'Afrique des Nations. Je crois encore. Vraiment, je ne sais pas, pêle-mêle comme ça, voilà comment je peux vous... Des clubs sur le plan international? Oui, j'ai joué en Égypte, j'ai fait 2 années en Égypte, j'ai fait 2 années au Maroc, j'ai fait 2 années en Espagne. Voilà un peu. Donc voilà. Passing to Mejri. Oh, Mejri along the baseline. The thunderous dunk. Slides along the back of the zone. Finishes it off. Kone, a little jump shot with 2 feet. It won't fall. Marais with the rebound in the open court. All behind the back. Marais to the basket. He lays it in left-handed. What a start to this game. Tunisia and Morocco to come. Oh, through narrow, little spin dribble! Oh, hello! Namori Bundi goes up and gets it and finishes and draws an and one. Well, what a performance! Diabate leads the ball to Lamazana. There's a great block by Ndai. A great negation. There it is. He times it perfectly. Al-Farouk goes up to tip it. Al-Farouk! Oh, Al-Farouk Aminu. The cup dunk. And then El Gamal pulls the trigger on a 3, which rolls around and out. The long rebound to Marai. Hang on to your hat! Awesome Marai with a reverse jam. Costa knocks it out of his hands. Diabate. Alley-oop! Stephen Konaté puts up the Ivory Coast by 3 points. And once again, Amado Costa lets Diabate get by him. Canavete, it won't go. Pass ahead. Marais. Marais! Oh my heavens! Carlos Marais! What a windmill! Oh, Marais! He uprises for the 3. It won't drop. Who's got the long rebound? And Ndai lets the 3 fly. What is it? Count it! Oh my heavens! Mamadou Ndai with the bank 3. Egypt certainly can't come back. Not much plays like that, but they can't come back. Here's Guy-Eddy to the rack. Oh, my heavens! Guy-Eddy with a thunderous dunk. Right on, Youssef Chossa. Je pense que le sport est forcément allié à l'école. Donc aujourd'hui, même dans les centres de formation partout où vous passez, on dit sport et études. Donc le sport, les études sont très, 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 très importantes.
le processus du sport. Donc voilà, donc nous on a commencé déjà au premier cycle, okay, avec l'OASU et le basket. Ça a continué au second cycle. Donc, en travaillant à l'école et en faisant toujours le sport. Ensuite, on a eu le bac, on est passé au supérieur. On a continué l'OASU au supérieur. Et malgré ça, on a quand même passé nos diplômes et on a eu cette qualification-là qui est d'être professeur d'UPS aujourd'hui. Donc, il ne faut pas négliger l'école et il ne faut pas négliger aussi le sport. Donc, on peut allier sport et études et puis jouer en international. Parce que moi, étant à Korogo déjà, collège humain de Korogo, et c'est là-bas qu'on a commencé tout petit, avec en sixième déjà, avec notre prof DPS Kone Diakaridia, qui est encore là-bas, à qui je rends hommage déjà. Et donc on a commencé comme ça en sixième. Et puis cinquième, on a fait tout le parcours du premier cycle. Donc avec ce monsieur-là, on a été champion OASU, premier cycle, à Korogo. Déjà au niveau local, ensuite au niveau régional, avec lui, en basket. Et puis après, on est allé au secondaire et on a continué comme ça. Donc, il faut croire que ça marche. Il faut juste pas choisir le sport pour laisser le côté scolaire. On peut allier sport et études. Et c'est très important. Ben, déjà, on va dire quoi? Au premier cycle, quand on était champion au niveau local, il fallait aller à Daloa pour jouer les phases finales nationales de l'OASU. Donc, quand on est arrivé à Daloa, étant tout jeune, hein, on avait quoi? J'avais peut-être 17-16 ans. Donc, il fallait participer à cette compétition-là. Et on a croisé au niveau supérieur des joueurs comme Amalabian Blaise, Bou Blaise, Toali Guisej, qui jouent, que nous on voyait à la télévision. Donc on n'avait pas cette opportunité-là de les toucher ou de les voir de manière, comment je vais dire, de façon réelle. Donc ce sont les finales de l'OASU qui nous ont permis de les côtoyer. Mais c'était comme un rêve pour nous de voir des gens qu'on voyait à la télévision. Et puis là, tu les vois s'entraîner, tu causes avec eux. Bon, tu peux. Voilà. Donc, on a demandé à ces athlètes-là de nous dire comment ils ont fait pour être à ce niveau. Donc, en fait, tu ne pourrais jamais imaginer. Moi, je ne pourrais jamais imaginer que ça allait croiser ces gens que je vois à la télévision. Mais c'est grâce à l'OASU. Tu vois. Donc, et puis, comment ça s'est passé? On a vécu le fait de dormir. En ce temps, on avait dormi dans un camp militaire. Donc, dans ce camp militaire-là, on ne pouvait pas crier, on ne pouvait pas chanter, on ne pouvait ni faire du bruit. Donc, on était vraiment réglé à l'horloge. Et tout ça, ça nous a forgé parce qu'on ne peut pas imaginer être dans un camp militaire, dormir, manger là-bas. C'était à quelle occasion le camp militaire? C'était pendant les finales d'OASU 97 à Daloa. À Daloa. Donc ce sont des expériences qu'il faut vivre, ce sont des expériences qu'il faut faire vivre aux enfants. Et ça forge. Et ce sont ces genres de situations-là qui font que l'OASU, jusqu'aujourd'hui, est l'une des marques déposées quand même du sport en Côte d'Ivoire, sport universitaire en Côte d'Ivoire et scolaire. Ben, comme je disais déjà, étant athlète à Korogo, la fédération lançait comme ça des phases de présélection dans tout le pays. Et comme la fédération ne se déplaçait pas autant, donc c'est l'OASU qui permettait aux jeunes de se déplacer par rapport aux phases finales et tout. Donc en cela, on a été détecté, on a participé aux préparations et aux présélections. Donc par grâce de Dieu, on a été sélectionné. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on a participé à plusieurs tournois. Dans le tournoi de Douai, qui est un tournoi de acquis au Benjamin, pardon, au minime. Le tournoi de Hard, qui est un tournoi pour les Benjamins. Et ensuite, le tournoi de Marseille, qui est fait pour les cadets. Donc nous, on a participé au tournoi de Hard avec les Benjamins. On a participé au tournoi de Douai avec les minimes. Et au tournoi de Marseille avec les cadets. Donc je pense que c'est tout ça qui a fait qu'aujourd'hui, on a dû batailler, dû pouvoir participer à ces tournois. Donc c'est une aubaine pour ces jeunes de pouvoir participer à toutes ces compétitions-là. Mais comme j'ai dit tout le temps, viens l'OASU. Parce que si l'OASU n'était pas là, je ne pense pas qu'on allait être détecté pour pouvoir participer à ces tournois-là.
Donc c'est une chance pour ces enfants-là de pouvoir allier sport et études et puis et penser et rêver de participer à ces jeux de tournoi, pouvoir découvrir plusieurs pays. Je me rappelle, on a joué à Boaké. On a joué à Boaké ma deuxième année junior. Bon, on va dire ma deuxième année, on va dire quoi, de lycée. En première, on a joué la finale régionale. Finale régionale où je suis à Boaké. Et j'ai perdu. Et l'année-là, vraiment, ça m'a fait tellement mal. Mais que contre quelle équipe? Mais je ne me rappelle pas trop. Je pense que c'était contre Henri Poincaré de Boaké. Autant il y avait Henri Poincaré de Boaké, on a perdu en finale. Combien de points d'écart? On a perdu 2 points. Et j'étais sur le terrain même pendant le dernier 4 ans. Je pleurais pendant que je jouais. Parce que je voyais que là le match n'avait pas d'issue pour nous. Et ça m'a fait pleurer sur le terrain. Et à la fin même, j'ai fait pleurer mes coéquipiers. Parce que ça m'a fait tellement mal. Et ce qui m'a permis d'ailleurs, l'année qui a suivi, de travailler et d'être champion lycée régional. Voilà, donc je me suis vengé. Je pense que si ça ne m'avait pas fait autant mal, je ne pense pas que j'allais aussi travailler pour pouvoir me venger l'année qui a suivi. Favorise beaucoup de choses. Donc je pense que c'est une chance pour eux de pouvoir participer à l'OASU. Avec ces compétitions, tu te surpasses. Okay? Et que ce soit en sport individuel qu'en sport collectif, ça c'est ses atouts. Le jour où il a pris la voiture de son père, paix à son âme, et lorsque son père a su, quand il est rentré avec la voiture, son père l'attendait derrière la porte. Et dès qu'il a franchi la porte, lui ne savait pas que son père était là. Dès que Stéphane a franchi la porte, son père l'a saisi par l'épaule et l'a plaqué au mur. Et son réflexe dans la précipitation, ça a été de dire « Dieu peut bloquer les sciences ». OASU, c'est nous les champions. Merci beaucoup.